Le but de la matinée mémoire, c'était vraiment de pouvoir évoquer justement ce mémoire, travail de fin d'études, en donnant un peu des pistes, des exemples de dispositifs qui sont mis en place. Donc au début de la matinée, on a une conférence de Geneviève Belleville qui nous a parlé de la manière dont on peut favoriser la persévérance des étudiants en rédaction de mémoire, parce qu'on sait que cette étape de rédaction de mémoire pose parfois des difficultés, les étudiants ont parfois du mal à s'engager dans cette activité-là, et donc voilà. Et alors dans un deuxième temps, l'idée c'était d'avoir des intervenants qui présentent leurs dispositifs. Alors bien sûr, voilà, il y avait 4 dispositifs, donc c'est sûr qu'à l'UCL, il y a beaucoup plus de choses qui existent, mais l'idée c'était vraiment d'avoir un échantillon de ces dispositifs. Et donc dans un troisième temps, l'idée c'était de permettre aux gens d'échanger un peu. Bon, c'est une amorce quoi, d'avoir déjà quelques échanges et de pouvoir débattre après avec les intervenants. Il y a le cahier LLL, encadré et évalué des mémoires qui vient de sortir, donc il permet vraiment d'avoir déjà quelques pistes de réflexion, etc. Mais maintenant c'est clair que si les gens à leur faculté veulent aller plus loin dans la réflexion par rapport à ce qu'ils mettent en place, l'évaluation, l'accompagnement, c'est intéressant de contacter certainement le Louvain Learning Lab pour aller plus loin dans les démarches et voir dans leur contexte aussi comment on peut faire évoluer les choses ou travailler là-dessus. Je pense que tout promoteur doit s'intéresser à comment l'étudiant s'organise. Donc, pas seulement s'intéresser au contenu de la recherche en tant que telle, mais à comment l'étudiant acquiert ses connaissances, comment il les organise. Quand les séminaires sont disponibles, je sais que chez nous, c'est très, très, très apprécié. Puis ça donne un cadre, mais très, très académique. Tandis qu'avec le directeur, l'apprentissage peut être un peu plus personnalisé au laboratoire ou au domaine de recherche spécifique. Donc, les grosses retraites de rédaction, c'est super, mais d'une façon réaliste, il faut être capable de rédiger un peu tous les jours, toutes les semaines, si on veut arriver à poursuivre et à développer et à terminer son mémoire dans les temps.